Salut tout le monde et bienvenue aujourd'hui pour une nouvelle vidéo. Donc comme vous le voyez aujourd'hui, je suis sur mon petit R1, voilà, tranquillement. Donc aujourd'hui, GearBest m'ont envoyé ce petit vélo électrique. Il pète complètement à plomb. Alors il pète un plomb mais dans le bon sens. Je vais tout vous expliquer. Donc déjà, je l'ai reçu, bon ça fait déjà un petit moment que je l'ai. Ça fait à peu près un mois et demi. Donc j'ai mis à peu près un mois à le recevoir. Pour un colis comme ça, faut compter minimum un mois. Donc il arrive dans un carton, le vélo est déjà tout monté. Il n'y a rien à faire, il y a juste à visser le guidon, machin nana, à voir si ça c'est bien réglé, et puis c'est tout. Après on touche plus à rien, il est déjà paré à l'attaque. Il n'y a qu'un seul plateau et qu'un seul pignon, c'est-à-dire qu'il n'y a pas de vitesse manuelle, on va dire. Tout se fait électriquement. Vous avez 5 vitesses électriques au niveau de l'assistance. Donc c'est-à-dire que vous avez la vitesse 1, 2, 3, jusqu'à 5. Le vélo est capable de monter à 24,7 km/h, donc 25 km/h. Normalement, ils sont tous bridés à cette vitesse. Le truc, c'est que le mien, il va un petit peu plus vite. Je sais pas ce qui s'est passé, mais il a pété un plomb. Donc techniquement, le vélo est censé aller à 25 km/h, pas plus. Donc c'est ce qui s'est passé, moi, en fait, le premier jour où je l'ai rechargé. Je l'ai reçu, j'ai mis une charge, j'ai fait à peu près, en autonomie, j'ai fait à peu près 23 km. Donc je l'ai utilisé de nuit, tout le temps avec la lumière allumée, parce que vous avez une petite lumière à l'avant allumée. Je vous montrerai ça bien sûr en image agrémentée. Et donc le premier coup, j'ai fait à peu près 23 km à 25 km/h, 24 km/h à peu près, 24-25. Donc à chaque barre, le vélo perd environ 1 km/h, on va dire. Donc dès qu'il est en fin de batterie, vous roulez à peu près entre 18 et 19 km/h. Le truc, c'est que le mien, à la deuxième charge, je prends le vélo comme ça un après-midi, je m'en vais me balader et tout. Et je suis, c'est bizarre mon vieux, mais il a la patate. Il a la cacahuète aujourd'hui. Du coup, c'est que le vélo, dessus, avec mon poids, en ligne droite, je monte à 31,2 km/h. Il est full stock le truc. Alors attends, on va peut-être le montrer parce que c'est pas des conneries, regardez. Je vais vous montrer le compteur. Normalement, faut savoir qu'un vélo, il est bridé, donc même à vide, sans poids dessus, il montera à 24,7 km/h. Donc celui-là, c'était 24,7, je l'avais essayé la première fois. C'est comme ça, et après, une fois que vous mettez votre poids, la batterie prend le relais, machin, nana, ça vous fait monter quand même à 25. Regarde, montre-leur, William, à combien il monte, si je vous raconte des conneries. Regarde. Ouais. Et encore, il est pas plat. Il est pas plein. Il est pas plein. Il est pas plein. Voilà. Là, vous voyez, c'est marqué full au niveau de la batterie, mais il est vraiment pas plein parce que là, je viens de faire 3-4 km avec. J'ai même pas encore perdu une barre de batterie parce que sinon, il monte à 37 km/h. Donc, bien sûr, à vide, une fois que je monte dessus, je vous dis, je fais du 31,2-5 km/h. Autant dire que ce vélo est un missile. Autant dire que ce vélo est un missile, mon gars. Mais là, je suis plus dans la réglementation. C'est ça le pire, mon gars. C'est que là, en fait, il me faudrait carrément une carte grise, une assurance, un contrôle technique, un casque, des genouillères, tu vois. Une plaque d'immatriculation. Une plaque d'immatriculation. C'est que là, je suis hors la loi, mon gars. Je suis dans l'illégalité la plus totale. Oui. Eh ouais, mon gars. Au niveau de la tenue de route, franchement, on est super bien. Mais franchement, c'est agréable. C'est pas ridicule à monter dessus. Je veux dire, tu vois, parce que t'as des petits vélos électriques. Franchement, moi, je me baladerai même pas avec. C'est tellement petit et tout. Ça fait limite des tricycles, des vélos de cirque. Ouais, tu vois ce que je veux dire. Et celui-là, franchement, il est pas ridicule. Vous pouvez vraiment monter la selle et tout. C'est un vélo d'adulte. Hein. Et c'est super tendance en ce moment parce qu'on en voit beaucoup, surtout sur les bords des plages, quand on part en vacances. Il y a beaucoup, genre, de personnes âgées qui les utilisent ou des feignasses comme moi, éventuellement. Ça peut arriver. Au niveau pratique, franchement, le vélo est super bien. Il est super compact. Vous pouvez vraiment l'emmener partout. Ça cale dans un coffre de bagnole à l'aise. Vous pouvez l'emmener en vacances. Vous pouvez l'emmener, par exemple, pour faire des petits road trips dans les chemins. Vous le calez dans la bagnole, vous le sortez. On va peut-être parler aussi de l'autonomie, hein, quand même. Hein, parce que bon, c'est bien de l'emmener partout. Mais au niveau autonomie, alors, c'est annoncé 30 km en mode électrique pur. C'est-à-dire sans pédaler, 30 km. Honnêtement, j'ai fait 23, 24, 22, enfin pas plus, tu vois, j'ai pas fait 30. Et donc, c'est entre 30 et 55 km en mode pédalage assisté. Alors 55 km, c'est vraiment si tu pédales comme un flamant rose et à la vitesse 1 en assistance, tu vois ce que je veux dire. Mais les 55 km, j'y crois pas, tu vois ce que je veux dire, voilà. Je t'en ferai pas. Je t'en ferai pas, 55 km, peut-être en mode pédalage assisté, tu vas peut-être pouvoir monter à 30,
Il faut pédaler beaucoup pour faire 55. Bon, allez, on va dire 30-35 km peut-être en pédalage assisté, mais je tenterai pas, voilà. Faut savoir aussi que si le vélo vous intéresse, vous avez un petit lien dans la description, je le mettrai. Et je vous ai déniché un petit code promo, vous le trouverez pas moins cher ailleurs. Ça, c'est garanti Jolotte, mon gars. Eh ouais, les bons plans, toujours. J'achète, j'en prends deux, William. Bien sûr. Donc, pour le replier, simple, j'enlève la goupille. Tac, je fais comme ça. On va venir plier le vélo en deux, comme ceci. Voilà, on rabaisse la petite selle. Le guidon, on va le baisser comme ceci. C'est vraiment super pratique. Il y a une goupille ici à baisser. Voilà, et le vélo est plié. Et il ne prend pas de place. Et ça passe dans le coffre de la voiture. Voilà, voilà. Et là, là par contre, tu mets plus grand chose. Mais t'es en vacances avec ton vélo électrique. Et ça, ça n'a pas de prix, mon gars. Le déplier, pareil, aussi simple que pour le plier. Voilà, tac, on remet la goupille de ce côté, on enclenche le système de sécurité, on lève le guidon, on met ça comme ça, on enclenche le système de sécurité ici, hop, on lève le guidon comme il faut, on replie la selle, tac, on la monte bien comme il faut. Mais pas bien comme ça. Putain, il y a du cross à côté, mon gars, là. Ah bah ouais, mais bon. C'est pas fini ce bordel. Il y en a qui sait de tourner une vidéo là. Au niveau de la vitesse, oui, je vous disais, le vélo pète complètement à plomb. Alors je sais pas ce qui s'est passé. Est-ce qu'il a pris un coup de charge en trop ou quoi? Je crois pas, franchement. Hein. Moi je l'ai chargé normal, vous avez le chargeur qui est juste ici d'ailleurs. Donc il y en a à peu près pour 5 heures de charge, on va dire, pour le mettre à fond. 4h30, 5 heures de charge pour qu'il soit bien à fond. Et donc oui, au niveau de la vitesse, bah, je sais pas ce qui s'est passé. Je sais pas. Pour moi, il pète un plomb dans le bon sens, tu vois ce que je veux dire? Parce que il a été touché par la grâce. Ouais, on va dire qu'il a été touché par la grâce, ce vélo, tu vois. Voilà, j'ai eu une édition Schumacher. J'ai demandé dans les commentaires, j'ai vu un seul gars faire une vidéo en français sur ce vélo. Donc, je lui ai posé la question dans les commentaires. Sa chaîne, c'est Avis Express. D'ailleurs, si tu passes par là, Avis Express. Je lui ai envoyé un commentaire sous sa vidéo où il a testé l'Alpha Wiz, justement. Et donc lui, non, lui il me dit, il roule à 25 km/h, tu vois. Mais j'ai dit, moi, il y a un souci, mon gars. Donc allez voir sous sa vidéo, justement, vous allez voir, j'y ai laissé un pavé de commentaires. Voilà, j'y ai laissé un pavé, j'ai expliqué le problème et tout. Je comprends pas, mon machin, il monte à 57 km/h, mon vieux. Et du coup, je sais pas. Le vélo a été touché par la grâce du Seigneur, William. Eh oui. Hein. C'est une édition Schumacher. C'est une édition très limitée. Et je pense qu'à mon avis, si vous voulez cette édition très limitée, bah vous devriez tout de suite aller voir le lien dans la description. Parce qu'à mon avis, absolument, il n'en reste pas beaucoup des éditions limitées. Non. Dépêchez-vous avant qu'ils arrêtent sa fabrication et qu'il les rebride à 25. Non mais c'est un truc de fou. Quand je suis dessus, 31,2 km/h, tranquille. Et le truc c'est que normalement, de base, quand t'es en fin de batterie, je veux dire quand ton vélo il est bridé à 25, t'arrives en fin de batterie, ton vélo il roule à 18, tu vois, 18-19. Et ben moi quand il est en fin de batterie, je roule à 25, tu vois, 25-26 à l'aise, tu vois, même quand il reste une barre. Dans les montées mon vieux, je les pète à 26, William. 26 mon vieux, ça te parle? 26 mon vieux. 26. Et ça lève ça, hein. Tu peux y aller que ça lève mon vieux, c'est Je peux y aller. Mino Dieu. Il est putain de Dieu. Eh oui, Mino Dieu. Voilà, oui. J'attends ça. Mino Dieu de Dieu. Il est chargé, nom de Dieu. Je grille des R1 au démarrage avec ça, mon vieux. Mais tu peux y aller. Rattraper. Hein, ah bah ouais, mon vieux. Bah, je suis dans l'illégalité. Hein. Vous avez le lien dans la description. Je vous donnerai un code promo, mais franchement, allez voir. Déjà, allez voir combien il coûte et allez voir combien ça vous le fait avec le code promo. Vous allez péter un plomb. Il est pas si cher que ça, franchement. Pour la qualité que c'est, tu peux y aller qu'il est confortable, William. Hein. Bien sûr, vous avez un régulateur de vitesse aussi. Donc, pour le régulateur de vitesse, il suffit d'accélérer à la vitesse que vous voulez et tout simplement de rester appuyé 3 secondes sur le bouton plus. T'entends, William? Ah bah il a pris celui dans le lien. Il a pris celui qui est dans le lien, celui-là, celui qu'on entend qui roule là. Ça c'est un Alpha Wiz, ça, mon gars. Sûr? Ouais. On va sûr. Un collègue. Je le remercie toujours. Ah, il l'a pris avec mon lien. Ça pète, hein? Ah ouais. Alpha Wiz. Je le vois d'ici là. Ah ouais. Ah, il roule bien. Mon vieux. Si t'es comme ça le vélo, mon vieux. Et je te dis, tout le monde en achète, mon vieux, bah, bon, avec. C'est fini, oh.
Donc écoutez, sur ce, conclusion, bah c'est franchement, c'est un très bon vélo. Moi, il me va très bien. C'est parfait parce que de toute façon, c'est celui-ci que j'ai choisi sur le site. J'ai été touché par la grâce du Seigneur. Le vélo a été touché par la grâce du Seigneur. Je suis tombé sur une édition Schumacher. En tout cas, encore une fois, si vous voulez vous procurer le vélo, rendez-vous dans la description. Je vous mettrai un code promo. C'est les éditions Schumacher. Voilà. Surtout, n'hésitez pas à mettre un petit like sur la vidéo si elle vous a plu. Ça me ferait extrêmement plaisir. Vous pouvez également venir me rejoindre sur les réseaux, Instagram, Twitter, Facebook, tout ça, tout ça. Nous, on se dit à bientôt pour de prochaines vidéos. Et ciao tout le monde, bye bye.